Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on va dégauchir, mais sans dégauchisseuse. Alors, pour dégauchir sans dégauchisseuse, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. C'était, souvenez-vous, avec mon chariot et ma défonceuse et la fraise, et on vient justement dégauchir des plateaux. Là, je vais utiliser une autre méthode. Je vais faire voir qu'avec en fait un rabot, on peut dégauchir. Donc là, pour la démonstration, j'ai deux plateaux ici. Vous voyez, ils sont complètement comme ça, complètement vrillés. Ce qu'on fait dans un premier temps, on va retirer le cœur, bien sûr. Et après, je vais vous faire voir comment dégauchir. Pourquoi? Ça ne sert à rien de ne pas retirer le cœur, parce que ça tire à cœur. Donc, comme vous voyez bien, c'est vraiment bien cintré. Donc, ce que je vous conseille, si on ne retire pas le cœur, on va enlever énormément de matière. Donc là, on retire le cœur, on pose nos plateaux sur une planche et je vous fais voir la technique avec les rabots. Allez, c'est parti! Bien, ça y est, la planche est préparée. Petit conseil, moi j'ai une raboteuse de 330 mm. Sur la planche ici, on va mettre 5 mm de moins pour qu'elle ait du jeu parce que c'est elle qui va suivre le mouvement. Là, elle ne va pas rester fixe, ça va suivre le mouvement. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, comme vous pouvez voir, elle, voilà, elle est complètement vrillée. Donc ça veut dire que le bois, quand il a séché, bon, ben, il a perdu son eau, il s'est resserré à cœur, mais en même temps, la coupe, elle n'était pas bien, donc il est complètement vrillé. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un pistolet à colle. Je recherche à peu près les points d'appui. Donc, je me dis, vous voyez ici, on voit bien qu'elle fait comme ceci. Donc, je vais venir caler, je vais venir faire un point de colle ici, et à l'arrière, et au milieu de ce côté-ci, parce que c'est. Et là. Donc, je note au crayon où je vais faire un plot de colle. Donc n'hésitez pas à en faire plusieurs. Voilà, là. Et à l'arrière. Voilà, parce que là, je remarque bien que mes points d'appui, c'est à peu près. C'est ici et ici qu'elle est en appui. Tout le reste, vous voyez, c'est dans le vide. Donc c'est là que je vais répartir mes points ici, mes points ici. Donc j'hésite pas à faire des gros plots de colle. Ensuite, je vais appliquer. Surtout, ce qui est important, c'est qu'elle doit être en appui sur cette barre devant. Pourquoi? Parce que quand les rouleaux vont se mettre à tourner et avancer la pièce, ben, il ne faut pas qu'elle glisse sur la planche. C'est tout l'ensemble qui va passer dans la raboteuse. Allez, je fais mes plots, je règle comme je le sens et on rabote.
Bien, bon, ça y est, comme vous avez pu voir, ça y est, j'ai dégauchi avec ma raboteuse. Donc, vous avez vu, quelque chose de tout simple, hein? On part vraiment quelque chose de vrillé, on met quelques poids de colle, on arrive en butée sur la planche, on place la planche, ensuite, je change de planche, parce que j'ai une surface de référence, je change de planche, celle-ci vient en butée ici, ce qui fait que je retourne la pièce, je fais la deuxième face, les deux faces sont parfaitement parallèles, je reprends ensuite à la scie, pour avoir mon éclairage ici. Et la deuxième phase qui était la première fois où j'ai coupé pour scinder en deux chevrons. Donc du coup, je n'étais pas vraiment d'équerre. Je récupère ma perpendicularité ici. Ce qui fait que moi, ici, j'ai une pièce déjà faite avec une très bonne perpendicularité sur toutes les faces. Donc là, ça sera un futur projet. Donc j'ai préparé quelques débits. Vous retrouverez ça plus tard dans une autre vidéo. Avec cette partie en cerisier. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!